de comprendre. Moi, je pense que j'ai un ensemble de monde qui veulent me gagner le pouvoir pour petit intérêt personnel. Pour intérêt mesquin, mais pas pour le pays. Moi, je suis pas à l'aise dans un conflit de pouvoir avec Ariel Henry pour plusieurs raisons. Et loyauté avec le président Jovenel Moïse. Ariel Henry, c'était la dernière volonté du président Moïse. Okay? C'était la dernière volonté du président Moïse. Parce que, est-ce que, question que je pose au là, est-ce que M. Badgon a arrêté? Qui était dans oui, évidemment. Donc, c'est la dernière volonté du président Jovenel Moïse. Et à ce moment, on va oublier. Je ne connais pas, peut-être la police, certains dirigeants de la police, qui connaissent que Ariel était parlé avec Badjo. Moi, je ne connais pas ça. On ne connaît pas l'implication présumée, n'est-ce pas, Ariel Henry dans la mort de Jovenel Moïse. Je dis, sans information, ça a eu. Toutes choses étant égales par ailleurs, sans information, ça a eu, je vais remettre Ariel Henry pour voir encore. Et je n'ai pas aucun regret, comme un jeune garçon de 44 ans, qui a gagné fougli toute énergie, je pense que ça, c'est parti remise. C'est-à-dire que pouvoir pour gagner, c'est bataille pour bataille, c'est avec évidemment un pile éthique, n'est-ce pas? Moi, je pense que moi, éviter, c'est un sens d'abnégation, un esprit d'abnégation, moi, éviter à PIA une autre crise politique. Les moi, remettre Ariel Henry pouvoir. Et parce que moi, pensais que c'était le meilleur choix. Moi, je ne regrette rien du tout, du tout, du tout. Okay. Moi seulement regrette que moi te connais que Gemoun qui te connais que Ariel Henry c'est un présumé assassin Jovenel Moïse, moi même c'est dernier monde qui connait ça, m'pa jamais connait ça. Moi toujours reproché on est dans Léon Charles. On dit me certain et information qui disposait jeune moi que Léon t'a commencé gain de bonnes pistes que Ariel c'est un homme qui parle avec et Badjo mais moi même pas comme ça chaque fois que j'ai chance parler avec Léon jusqu'à jeudi à moi dit monsieur moi reproche ça parce que ou te connais que monsieur parle avec Badjo ou te connais que évidemment jour soir tout qui ça qui passait avait dit 6 7 juillet côté Ariel Henry Teye qui est-ce qui était ouel et cetera nous te connais ça nous pas jamais dit moi même. Donc, nous quittons dans le noir, ça veut dire que il y a des choses que je ne connais pas. Est-ce qu'il ne connaît pas aussi tard tant que vous-même, tout lui-même? Comment? Est-ce qu'il ne connaît pas lui-même pour, dans même sorte où voilà, c'est-à-dire, il n'a pas de l'information à temps, ou bien il n'a pas de l'information, il n'a pas de la certitude que Pierre-Marie Henry est impliqué dans la bagarre. Moi, je pense qu'effectivement, je ne suis pas capable de laguer de bagarre sous lui, il n'a pas de l'information aussi tard. Par exemple tentative que la police nationale pour le faire ça bon évidemment on bat premier ministre encore mais tentative que la police pour le faire par exemple pour arrêter Badjo la caille premier ministre il y a un pile nèg dans la police qui connaît et il fuite le tout hein il fuite le au point que premier ministre vient connaît le faire Badjo pas fait rencontre là juste ça attends non reprend C'est ton cause de sérieux? Badjo te kay premier ministre Ariel Henry non, et la police plusieurs t'as pas l'arrêté et que fois. C'est vrai ou confirmé non c'est confirmé bon c'est confirmé parce que là m'a parlé c'est un homme d'état et c'est pas un citoyen lambda c'est confirmé que la police t'as pas arrêté Badjo la kay premier ministre. John Joel Joseph Patla joue ça, non? Non, John Joel Joseph Patla, c'était Badjo. C'est une énième rencontre. Pendant le premier ministre ou bien avant le grand fonction? Non, pendant le premier ministre. D'autant que pendant le premier ministre. Pendant qu'il a cherché Badjo? Évidemment, pendant que Badjo a un mandat d'amener contre lui. Évidemment. Donc et ceci pour me dire que ça, c'est pour me dire que la question et l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est pas. C'est vraiment un network, son réseau. Son réseau de criminels, mais pour la plupart de criminels avaient sa costume, mais qui croient qu'ils sont capables de dévier, de faire obstruction à la justice, et, ou bien gagner une cause. Moi-même, je pensais que c'est une victoire provisoire, parce que Jean Odia, défaite la justice ou bien du droit, est toujours provisoire. Mais, non, excusez, mais pas un problème.
par exemple, là où vous remarquez que Léon Charles, il avait des informations pertinentes ou bien informations qui étaient très utiles. Et puis, un problème leadership. Et vous mettez en question, ou pas mettez en question volontaire, mais vous mettez en question leadership. Li. Ouais. Mais ça qui est passé, il faut accepter de nommer l'OEA. Bon, et... est-ce que c'était sous pression ou volontairement? Non, alors, et moi-même, bon, c'est pas oublier que c'est pas le Premier ministre. C'était deal. Alors, je dis deal ça depuis qu'il est le deal ça, c'est à la fois avec le président Jovenel Moïse et ensuite avec Ariel. Et là, Ariel m'a dit Léon pour le démissionner. Et Léon dit que mais ça et Jovenel Moïse était deal. Et puis Ariel Henry dit mais nommer monsieur Naoya, retourner monsieur Naoya, pas oublier que monsieur pas nommé Naoya. Toutes les monsieur et dans police là, la police là, comme directeur, pas jamais touché comme directeur. Il est toujours ambassadeur Naoya parce que c'est une forme de détachement ou oui, c'est une forme de détachement, il est toujours pour retourner Naoya. Mon qui dit que monsieur nommé Naoya, il a pas une bonne information, c'est retourner d'ailleurs. Moi, je mette dans l'OEA un chargé d'affaires, un représentant adjoint. Parce que c'est Léon qui était toujours dans l'OEA, même s'il était dans la police. Là. Ah. Donc maintenant, Lelvin, je dis là avec le Premier ministre Ariel Henry. Le Premier ministre Ariel Henry m'a demandé pour Léon retourner. Donc c'est un deal qui joue avec Ariel Henry. Parce que Ariel Henry, pour Lelvin, gagner de monde tant coup privé par exemple et de l'autre monde qui pourrait le bali un chef police par exemple donc il pourrait le chef ça police. C'est une autre information confirmée donc c'est président privé qui mettait Francel B comme directeur alors, général de la police alors écoutez le pouvoir c'est un pouvoir partagé entre Michel Martelly et privé et les autres. Et Privert, c'est un candidat à la présidence. Michel Martelly est un candidat à la présidence et potentiellement en conflit pour cette séparation de pouvoir. Parce que Ariel Henry lui-même, il est pris entre ces feux. C'est-à-dire, ou bien Privert en bord, ou bien Michel Martelly en bord. Et qui est confortable. Et tout le monde, c'est des gens qui sont très confortables avec l'amour de Jovenel Moïse. Et peut-être parce que. Et chaque pensée, si c'était Jovenel Moïse, il organise l'élection, et c'est pas eux qui tape là. Donc, vous comprenez? Donc, c'est pour me dire que Léon pral et retourne dans l'OEA sous l'ordre Premier ministre, qui lui-même, c'est un bon débarras peut-être pour Léon, parce que Léon, c'est pas l'homme idéal. Ouais. Et moi, je crois tout que l'homme fin assisté avec Premier ministre. Qui te descend dans Simoa et en bas la villa, et en bas dans Delma. Et débarrasser de Léon, c'est un bon choix également. Parce que le Premier ministre arrive dans Simoa, Léon est sans soldat, Léon est seul dans la police. Et du coup, Léon cap descend, le chef de la police cap descend à pied avec quelques amis avec elle. Donc c'était une bonne décision de demander à Léon de démissionner pour moi-même. Ouais, donc faut que nous on tient parce que lucide, en tout cas. Hein? Lucide. Il a failli à sa faut lucide, faut qu'on très objectif, c'est-à-dire que Léon ne pouvait Léon pas capable encore. Léon pas capable, il n'a pas de leadership ou du moins ce qu'il est boycotté dans la police et m'pas ouais qui ça Léon t'es qu'à continuer faire dans la police. Ça qui fait le capable dans OEA depuis le là OEA ça. Ça qui passe c'est parce que c'est diplomatie ça qui fait le capable dans OEA parce que pour vivre dans la police il y a un leadership c'est vrai que peut-être qu'il doit boycotter quelque part mais ça qui implante dans OEA pendant toute l'année ça donc ça le régler comme Léon, le ministre des étrangers Léon et contrairement à ça mon d'accord c'est un bon diplomate et c'est quelqu'un qui est très fin son politique et son bon diplomate et il entretient de très bonnes relations avec les autres et avec les ambassadeurs, avec pas bien que OEA sont multilatérales, sont petit espace et effectivement moi-même le ministre des Affaires étrangères, moi j'ai entretenu de très bonnes relations avec Léon. Et maintenant la police nationale là, moi pas quoi que c'était un choix, un bon choix, ouais. Et mais Léon c'est un bon diplomate. Mais et PM, écoutez, comment ça fait que président de la République, ah oui, mais pas le président, chef de l'État, et il est arrivé, comploté,
assassiner facilement. Bon, on dit que assassinat, planification assassinat est facile. Et que il pas gain ken si information qui dit président joue à déplacer. Comment on comprend ça? Bon, premier bagage pour me poser tête moi pour qui ça et Léon pas à l'heure les présidents relèl. C'est important. Et moi c'est faut nous questionner ça. Et pour qui ça et Léon pas à l'heure pour qui ça et Léon pas relé par exemple même s'il pas arrivé lui-même pour qui ça il pas relé commissariat plus près à Pétionville. Moi même pas de chance pas la président, pas oublier que les ça. Moi te gagne temps mettre faute véhicule moi et président pas t'a trouvé moi même important pour relé parce que moi pas de gagner et de capacité mais il relé Léon, il relé de l'autre monde, il relé Dimitri par exemple. Il relé Dimitri. Donc pour que ça va pas arriver. Maintenant, ça va le dire que moi dit Léon suspect, là, oui, son suspect non, on va dire ça. Mais moi-même je questionne cette attitude, ce comportement et c'est un comportement même à questionner, ouais. Et ça va le dire encore il y a son problème de leadership. C'est pas le dire que et que et Léon et moi-même moi crois que et même Jacques moi-même qui était premier ministre moi crois que Léon et gagne un pile bagarre pour dire à la justice et pour qui ça parce que son président qui mourit son président mourit il a trouvé que c'est une amende de relais ou arrivé très tard et Dimitri par exemple qui était dit CDEA, c'est. Pourquoi le directeur général n'a pas parlé avec Dimitri? Il dit non, alors, non, il n'y a pas besoin de venir, donc c'est DEA. Alors, ça m'a dit là, c'est que, pas oublier que moi-même, moi, je viens de support Léon, dans un moment difficile, ça. Léon est capable de dire tout de suite, monsieur, apprendre que le président a mouru, c'est moi-même, Livin Bay, renfort. Vini parce que peut-être pas. Donc ça veut dire que je support lui. Tout matin que moi fais, par exemple, en dans la caille moi avec tous les ministres, Léon, chaque fois l'a déplacé, l'idim l'a déplacé. Et là, par exemple, il arrive dans des espaces, il parle prendre des décisions. Il relève moi, dit monsieur, bon, écoutez, c'est chef de la police, ou en décision, on pense. Ça veut dire que moi, quoi que monsieur Téban, moi, tout support et dans le moment. D'ailleurs, sans support, monsieur, nous n'avons pas arrivé à arrêter et monsieur c'était calme, je trouvais que c'était calme, la police etc. Donc mais et moi-même moi pensais que et faut que il y ait des bagages qui clair qui dit et moi commencé à questionner du comportement et parce que tout simplement m'a regardé attitude rapport qui a développé avec Ariel Henry par exemple. Et les mal en haut par exemple bah ça fait que monsieur yo fâché en pile et attitude Léon pas pour moi trop correct. C'est-à-dire non, c'est comme quoi et mal en haut, me vient mal en haut pour me faire des nèg perdu job yo. Oh mal en haut et pour maltraiter de bagaille qui est important sous question justice président Jovenel Moïse. Donc Léon pas supposé qu'il y a un problème avec ça. Si mal en haut a maltraité. C'est donc ils ont dérangé. Non, Léon a été très dérangé. Oh, et c'est pas oublier que c'est le président Jovenel Moïse qui nous ment. Et dernière réflexion pour faire, quitte Melo, que si c'est question de justice qui a brûlé, quitte Melo, que nèg yo est capable de dire rappelons. Vous comprenez? Je comprends le comportement de l'ambassadeur qui est un ambassadeur de PHTK et pour le bilatéral. Donc c'est différent. Mais pour Léon, c'est chef police. Président Jovenel Moïse Gauthier, malgré qu'il y a pile contrainte les apnoméo, président Jovenel Moïse fait que au vini on retourne quand même et on pas prendre pression sous base que Claude Joseph Allan OEA et pour demander justice et ou bien pour demander accompagnement organisation hémisphérique là dans question justice pour président Jovenel Moïse. Donc et comportement ça te décevoir et mais me comprendre ou qu'à comprendre nous sur rien qui besoin de job yo faut gagner un peu le courage là ça m'a fait questionner qualificatif côté bataillon bon diplomate est-ce que monsieur c'est parce que monsieur peut-être monsieur par contre monsieur qui doit son stratège il y a une stratégie pour le gérer avec d'autres ambassadeurs mais bon diplomate
peut-être que attachement au job pas bon. Que dans là-bas bon diplomate pour ça. Non non, l'autre bon diplomate là, là il dit bon pour n'importe bail. Bon monde, bon diplomate, bon professeur, il veut dire ça, il veut dire parce que c'est bon. Bon pas veut dire l'autre bagage c'est bon. Alors faut nous reconnaître mérite même si on a fait des critiques sur des monde, faut nous reconnaître mérite yo. Ouais. Et moi je crois que Léon et Mabdil qu'il est un bon diplomate. Ouais. Bon, à tout ça le mandé, monsieur Fem, monsieur tout ça le mandé. Même si ça arrivait que l'attaché à un poste. Oh, oui, voilà, oui. Bon, arrivé. écoutez, donc c'est pas ou pas commander tout le monde pour loyal. Par exemple, expérience m'a fait et dans la question président Jovenel Moïse, m'a faut demander tout le monde pour loyal. Loyal à une cause. Et pas oublier, dans la diplomatie, c'est qu'on joue un peu réactionnaire d'ailleurs. Donc c'est pas qu'on joue un peu facile, loyal à une cause. Ouais, mm-hmm. Là, je parle de loyauté à une cause. Moi-même, je crois que Jovenel Moïse est une cause. Il a bataille contre la capture de l'État. Il a bataille contre des oligarques. Moi, je crois que Jovenel Moïse est une cause que je me embrassé. Ouais, mais je vais demander pour tout le monde, effectivement, gagner la même attitude. Ça. Mm-hmm. Et je félicite les diplomates que Jovenel Moïse est nommé, soit des ambassadeurs, etc., qui sont toujours loyal avec cette cause, qui témoigne vous un gros coup de chapeau. Même si je connais que Chabot a causé des ennuis, même pas comme M. Gimbo avec ça, pour Nek dans le coup d'Orvilliers, par exemple. Docteur d'Orvilliers. Ou d'Orvilliers, par exemple. Mm-hmm. D'Orvilliers, lui, il est attaché à la cause de la justice pour le président Jovenel Moïse. Il est l'un des rares, d'ailleurs. Fritz d'Orvilliers, un intellectuel, intéressant, mais qui a, on était capable de dire, une colonne vertébrale. Monsieur Gimbo, colonne vertébrale, monsieur attaché à la cause de justice, malgré le non-job. Moi-même, par exemple. Si je n'ai besoin qu'un job, je ne vais pas parler de justice pour le président Jovenel Moïse. Automatiquement, tout ça m'a fait ces questions de justice. Moi, je commence à déplaire la primature, l'arrestation de Samir Randal. Première fois, pour me faire des résolutions, pour mettre en clause sur la question de justice pour le président Jovenel Moïse. Fait ce que le général a dit, que tout autant Jovenel Moïse n'a pas une justice. Et question démocratie en Haïti, c'est un bail qui est très, on était capable de dire. Farfelu. Mm-hmm. Donc, et ça, c'est du bail, je ne connais pas, j'aime déplaire et au Premier ministre à la primature et dans son ensemble. Mais on regarde Dr. Claude. Beaucoup de gens font une analyse objective. Maintenant, de une situation précise. Jovenel Moïse mourit